à Ben Danone. Intérieur, Domingo. C'est un moment difficile pour les Bordelais qui semblent au point de rupture avec une nouvelle tentative. On retrouve Oulucha. Oulucha, le duel, mais pas perdre. Boxis l'a perdu. Oulucha symbolise le réveil clermontois. On a retrouvé les clermontois sur cette séquence de jeu. Ils ont pu mettre de l'enchaînement, de l'intensité dans cet enchaînement. Les clermontois ont balayé le terrain de droite à gauche, de gauche à droite. Et ils ont fait craquer cette défense bordelaise sous pression. Un essai inscrit par John Oulucha au pied des poteaux. La transformation n'en sera que plus facilitée, Pierre. Et on revoit aussi la disponibilité, la conservation des Clermontois dans cette zone si fragile. Notamment avec le travail de Thomas Domingo à la relance en soutien d'Aben Danon. Et puis le finish de Oulucha qui a su terminer ce mouvement. Butin, il a cassé deux plaquages. Il a cassé deux plaquages, effectivement, sur la passe de Butin. Allez, Clermontois avait besoin de mettre cette intensité dans leur jeu. Clermont repasse devant, 25-23. Les voilà, les deux plaquages décisifs manqués par Aveillé Clarkin. Le duel derrière perdu, le plaquage subi par Lionel Boxis.